Hey, salut entrepreneur, j'espère que tout va bien pour vous. Richard Tati aujourd'hui, toujours avec une très bonne énergie. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose parce que beaucoup de gens me demandent, ils me disent, Richard, comment je sais que je suis en train d'embaucher la bonne personne? Ok? Et je veux partager avec toi 5 caractéristiques des gens qui travaillent dans mon groupe. La première, c'est des personnes qui aiment le résultat. Ok? C'est si tu as une personne qui sait que vous avez un objectif à atteindre et que vous devez l'atteindre dans une date donnée, ça, je crois que tu es dans le bon chemin. Deuxième, c'est une personne qui est passionnée pour l'apprentissage. Le genre d'élément que tu veux qui est toujours en train de pousser l'enveloppe, toujours en train d'apprendre quelque chose de nouveau, toujours en train de lire quelque chose de technologique de nouveau qui va avancer ta compagnie. Ça, c'est important. Troisième personne, c'est une personne qui tolère l'incertitude. Maintenant, on est en train de vivre dans un monde qui tout est changeant. Tout est changeant. Les technologies changent, la manière de prospecter change, la manière de se diriger aux personnes change. Et tu dois être conscient que la personne qui doit être dans ta compagnie s'adapte facilement à ce genre de changement. Après, la quatrième caractéristique, c'est des personnes qui sont impatientes. Après, tu dis, ouais, mais comment? Oui, celui qui est impatient n'est pas attendre. Celui qui est impatient, c'est celui qui pense au projet et tout de suite, il commence à travailler sur le projet. Tu vois, il ne perd pas trop de temps dans la planification, mais il est plus dans l'exécution. Après, tu veux une personne qui est contagieuse. Contagieuse de bonne énergie, contagieuse de positivité et contagieuse pour que tout le monde puisse avoir le projet et l'emmener de l'avant. Si tu appliques ou tu trouves une personne avec ces 5 caractéristiques, je crois que tu es sur le très bon chemin. Applique-le. Bonne journée et succès.